sœurs et amis en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous n'avons pas gagné la prétention d'exprimer dans le langage par nous contentement, la joie, l'émotion qui animait nos matins, tandis que nous avons contemplé la fin de cet événement extraordinaire qui marquait soit la 73e ou 74e convention de cette grande famille de la MEBSH. Nous avons renouvelé nos sentiments d'attachement, de communion, de relations fraternelles avec les ouvriers de l'œuvre, passés, présents et futurs. Nous avons aussi renouvelé notre communion, pas simplement en tant que personne, mais en tant qu'Église et communauté de Montréal, et pour marcher côte à côte avec MEBSH, pour garder ce pacte, ce contrat, et pour alimenter aussi cet entretien, cette fraternité, et ensuite pour investir tant argent et énergie dans le progrès, la stabilité et l'expansion de cette œuvre combien extraordinaire. Nous remercions le Seigneur de ce que même nous-mêmes tous, nous participants à ce grand rassemblement forcé dans Tabernacle pour tailler, pour tailler cette marée humaine, à imaginer comment ça va y aller lorsque nous va plusieurs couleurs, plusieurs langues, sorti dans différents coins du monde, et Bible a dit, et auteur cantique, auquel beau jour devant ta face dit, nous va nombreux comme le sable des plages. Moi, porter à nouveau pour vous la salutation de ma femme, nous parlons matin en fois encore, et il dit, tout le monde, saluez-nous, pasteur destiné, pasteur Jéhovah Innocent, et le pasteur Vanel Beaubrun, qui est nos pasteurs associés, mandez pour me saluer nous tous et souhaiter une bonne célébration de la 74e convention. Amen. Nous portons pour aussi la salutation de la vaillante église de Philadelphie à Montréal, et convention était aussi claire à Montréal, et les messages sont entendus et reçus, et nous remercions le Seigneur pour gros outils ça, que technologie pote mon nom qui est l'Internet et le monde vini en petit village. Nous avons salué nos collègues, frères, pasteurs, associés, tant qu'ils se trouvent derrière la chair qu'en face de nous, les nouveaux ouvriers enroulés avec qui nous avons le privilège de m'adresser hier en prédication d'ordination. Nous avons salué particulièrement notre frère et ami, le pasteur Chavanne Jeune, qui était dans nous cette connotation et avec qui nous avons signé ce pacte aussi longtemps que la mission existe et que le Seigneur tarde à venir et que le bon nous l'opportunité nous va servir chaque 2 ans, suivant que le Seigneur permette lui et chaque fois que va avoir l'opportunité pour nous faire ça. Moi, remets en pire. Nous remercions le Seigneur aussi pour notre compagnon d'œuvre que nous voyons Barou. Ça fait plus de 10 ans, le pasteur Varnel Jeune, qui est sous obédience Saint-Esprit, est décidé quitter Montréal pour venir servir Radio Lumière. Nous espérons que bon Dieu va continuer d'utiliser lui puissamment avec sainteté dans la direction leadership, avec sens de consécration, avec discipline, mais surtout aussi avec une onction qui renouvelée. Et pour que Radio Lumière aille de mieux en mieux et Télé Lumière continue à faire travailler sous leadership, pasteur Varnel Jeune. Nous avons remercié le Seigneur pour frère Daniel Bernard, qui ce compagnon d'œuvre, qui n'a pas jamais quitté nous voyager seul. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon chauffeur, c'est notre représentant de l'association missionnaire de notre Église. Et nous disons le Seigneur merci pour lui et pour une famille qui comprend ça veut dire l'œuvre missionnaire et qui déplaçait chaque fois que nécessité a imposé ça. Nous voulons dire que ou pas tout seul, MEBSH, vous n'êtes pas tout seul, au loin comme auprès. Nous non seulement prier pour vous, nous penser à vous et nous voulons accompagner vous dans le cheminement jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Amen. Nous avons remercié particulièrement mon ami, mon frère, mon homologue dans la foi, le pasteur Luders Eras, qui a en 2 occasions été présent à Montréal pour notre convention à nous. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Nous avons un lien d'amitié qui lie nous ensemble comme prédicateur de l'Évangile, comme pasteur de l'Église de Jésus-Christ, comme leader évangélique. Et nous remercier Madame qui m'a nous une hospitalité extraordinaire. Et parce qu'il recevoit nous en qualité de prophète, et veut que nous sachions que bon Dieu, bah, une bénédiction de prophète.
Nous avons remercié le pasteur Luçon Napoléon et le pasteur Samson Dorilas qui rassurent nous la convivialité, l'amitié et rassurent nous que le séjour est agréable et toute directive et staff mission, le pasteur Honest et toute leur tuyau qui te rendent séjour là agréable. Bon Dieu seulement, notre temps en façon et va remettre toutes les bénédictions, tous les attachements, toutes les preuves d'amitié, d'intimité et surtout de fraternité côté témoigner. Nous espérons présence si le Seigneur t'a l'avenir pour la 75e convention qui va marquer certainement un milestone, tant que vous t'avez dit en anglais, dans la vie mission ça. Et nous espérons que ce sera une célébration à nul autre pareil si le Seigneur t'a l'avenir. Dans le cas contraire, le rendez-vous est dans le ciel. Maintenant, moi, pas la prétention d'avoir tout dit. Et nous espérons que les prédicateurs qui ont partagé ce thème avec nous, et particulièrement les prédicateurs dans le culte de 6 heures, que nous avons le privilège d'étendre et de faire dévotion avec eux, de 2 heures de l'après-midi, et particulièrement le pasteur Prévillon Paul qui fait un travail d'excellence en études, noter ensemble comme une équipe de travail que Saint-Esprit te mettait à disposition pour nous être capables d'épuiser ce thème. Ni moi, ni aucun d'entre eux. Non, pas quoi nous avons la prétention de dire tout ça cadre dit dans le texte. Nous allons même dire honnêtement qu'il y a l'évangile pour des millénaires encore dans ce texte. Nous espérons que cet esprit va poursuivre. Mais maintenant, dans la limite d'inspiration que nous gagnons, dans la limite de temps que nous gagnons, et dans la responsabilité que nous gagnons pour conclure cette grande manifestation, nous allons découvrir une deuxième dimension. Qui est ce celui qui doit venir? Chers et sœurs en Jésus-Christ, le personnage de la Bible qui est le centre de la révélation, Jésus-Christ est présenté du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse comme étant non seulement sans révélation, mais comme étant le principe même de la création. Là, nous regardons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il y a une confirmation de la présence de ce personnage et que nous adjoignons à travers les livres de l'Ancien Testament qui a marqué présence sous plusieurs images. Si nous prenons le temps maintenant pour présenter ce personnage, répondant à la deuxième place du corps de la divinité, peut-être nous avons besoin d'extendre une convention pour l'autre 5 semaines. Cependant, nous avons pris un petit temps matin pour nous aider à découvrir, particulièrement entre les évangiles et le livre qui termine la révélation du Nouveau Testament, faire comprendre Mounsa qui osait le droit, l'autorité et qui, identifié par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme celui qui doit venir. J'étais un petit peu épaté par la déclaration, c'est pas celui qui peut venir, c'est pas celui qui peut-être va venir, mais c'est celui qui est un devoir de venir. Et le devoir qu'il avait d'accomplir toute sa mission ne serait pas achevé, ce serait pas un devoir remis en borne et due forme si Jésus-Christ n'a pas accompli cette dernière étape de sa mission de revenir ici-bas. Dans les évangiles, nous gagnons une image. Nous t'aimons, vous prêtez beaucoup d'attention. Nous gagnons une image de chaque évangéliste qui braquait caméra sous personne Christ-là et qui montre nous une particularité qui quasiment voilait toute sa Jésus-Christ représentée. Matthieu braquait caméra sous Thibonome Nazareth là et lui dit c'est le roi des Juifs. Et c'est avec raison, frères et sœurs, que les mages qui étaient sortis dans le pays l'Orient venaient mais annoncer plus que ça. Matthieu t'a qu'à dire et Matthieu pas empêché de découvrir dans le langage roi magio trois grandes disciplines qui t'ont couvert petit petit à coucher dans la crèche là. Les mages arrivaient dans le mi-temps. Le pays de Jérusalem lui dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le même temps, premièrement, les rois demandaient où est le roi?
Et vous comprenez que c'est un ennemi politique. Parce que si moi-même, moi, représentais le gouvernement le plus puissant de la terre, et vous attendez que gagnons le roi, toute vive Jésus, le dit à bas. Et conséquemment, bon problème, là, vous attendez où est le roi des Juifs. Parce que vous pensait que jusqu'ici, non seulement il avait l'autorité, mais il était encore en pouvoir. Est-ce que l'église a suivi là? Et ça te mettait déjà une animosité politique installée entre le gouvernement terrestre et le gouvernement céleste. Parce que Magio vient annoncer que bon l'autre roi. La deuxième dimension que Magio dit n'a présenté personne ça, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, relève celui, lui dit c'est le roi qui vient de naître. Frères et sœurs, ou qu'un prince, non pas qu'un roi. Est-ce que l'Église a compris ça me dit là? Donc pour un homme fait tout roi, ça veut dire, c'est pas voter ou voter. Hein? C'est pour un gouvernement qui est l'île. Il n'y a pas besoin d'aller à l'élection pour le roi, mais il sorti investi dans le ciel avec autorité royale. Et peu importe quoi il est ennemi politique, mais puisqu'il est investi de l'autorité royale. Hein? Et là, il y a un problème. C'est penser que c'est un bagage qui va mener une guerre, une lutte intestine entre lui-même avec ce nouveau roi. Mais là, le temps de qui vient de naître, lui dit c'est un enfant, donc c'est vulnérable, c'est facile pour me détruire. Et il te dit nous dans ce maintenant, là, nous avons commencé Seria, nous dit nous chanter nos cantiques, nous là, c'est un enfant que la souffrance saisira dès le berceau et qui marchera qui Jean? Qui marchera qui Jean? Sans défense. Nous avons dit, bon Dieu tellement gros, bon Dieu tellement taureau, bon Dieu tellement tout puissant, il descend dans le corps, un petit bébé, l'aile plus fragile, l'aile plus vulnérable, l'aile pas qu'à défendre tête liée. Et après, les gens qui croient dans bon Dieu, vous n'avez pas besoin de faire ça, les gens qui font. Parce que même les Christ là, des petits bébés vulnérables là, gouvernement plus puissant la terre, pas qu'à détruire petit bébé ça. Ça fait si qu'on sécurité au besoin, c'est ça ciel là-bas. Qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Mais monsieur dit on l'autre bagaille, non seulement où est le roi qui vient de naître, c'est un enfant, si c'est un enfant, c'est un homme, c'est facile à détruire. C'est facile à détruire le roi par des stratégies politiques ou diplomatiques. Ce serait facile à détruire l'enfant qui est un homme, parce que le roi a l'autorité pour détruire l'homme. Parce que la Bible a dit que la, attendez ça, que la colère du roi est un messager de mort. Et depuis, on voit en colère des gens qui bralent mourir. Malgré le roi en colère, même pas qu'à tout y est. Petit bébé. Nous avons fait une parenthèse avec en avant que nous continuions. Mais ça, là, l'air de réaliser, c'est tout bon. Les papa saisit, petit bébé. J'ai besoin d'entendre la troisième déclaration Magio. C'est lorsque Magio dit nous, ouais, étoile en Orient et nous venons pour nous adorer. Ah, bon, l'autre problème là. Parce que si c'est un roi, c'est un ennemi politique. Si c'est un enfant, c'est vulnérable, c'est un homme. On peut le détruire, mais si vous êtes venu pour l'adorer, ça c'est Dieu. Et comment détruire Dieu? Frères et sœurs, mais ça, Matthieu, présentez-nous sous personne celui-là. Et dans un moment, notez tout. Monde qui caché dans bon Dieu. Moun qui marchait avec bon Dieu. Darren me dit, la terre m'est tremblée. L'orage m'est grondé. L'homme m'est roulé. Mais pas que moun qui t'a détruit aussi bon Dieu. Là. M'a braqué caméra sous un homme que rencontré tout Nazareth. Et l'a braqué caméra. Et puis, sous la suivre l'évangile de Marc, bien, on va croire que celui, ma place, c'est le serviteur. Et conséquemment, on va croire que Marc mettait devant Jésus, il était là, après cela, après cela, après cela, après cela.
Successivité, je m'excuse, de après cela dans l'évangile de Marc, et puis qui a placé Jésus-Christ dans des situations géographiques, dans des zones limitées. Il y a un monde qui a pratiqué, il y a un monde qui a prié, il y a un monde qui a marché, il y a un monde qui a pris service. Et là, Marc dit moi, je ne parlais pas finalement trop seulement sa matière, mais moi, il y a un monde qui vient pour servir. Et servir, c'est celui que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit nous qui doit venir. Luc braquait caméra avec ce personnage-là, et puis il dit, pas contre Matthieu qui dit lui voyons roi, pas contre Marc qui dit le voyons serviteur. Et Luc dit, moi voyons l'autre bagaille, moi voyons le fils de l'homme. Il dit son monde, il dit Marco, c'est vrai, nous avons servi de source pour inspirer nous. Les autres évangiles, c'est vrai, par les démons sont trop, mais en vain pour le servir, pour le marcher, pour nous situer notre place géographique, pour le monde. C'est ça que frères et sœurs, d'aller me dire, bon Dieu, pas chercher un super homme ou bien une super femme. Bon Dieu, chercher un simple monde que tu as investi grâce à la vie. Il faut comprendre le modèle, ça, modèle condescendant, ça. Il faut comprendre tout le conseil de la divinité rempli en dans Christ, au soir-là. Dans Philippiens, il dit en lui. Paul, pas dit ça, mais il dit repose toute la plénitude de la divinité. Et puis c'est là, tenez ça, que l'infiniment grand, il se fait infiniment petit. Et de cet infiniment petit, frères et sœurs, c'est l'homme à notre service, parce que Chaban, il a fini à Costichia. Il parlait un temps pour servir le modèle du serviteur que nous gagnons. C'est ça, Marc présentez-nous. Mais Luc a dit avant qu'il nous serve, il est un homme. Avec ses humanités, est-ce que vous sont monde? Et c'est exactement cette révélation qui permet que M. Juifio, dans la théologie, christologie, il passe à côté pour qu'il sache, parce qu'il y a plus quoi. Dans les exemples suivants, il y a plus quoi. Il est plus possible pour nous faire un monde monter vers la divinité que nous faire la divinité descendre vers l'humanité. Donc, son conflit théologique qui gagnait avec les juifs orthodoxes, non, reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Parce que, on n'a rien pour comprendre, dans le désert, lorsque Israël a sauté en Égypte, lorsque bon Dieu, réellement il sauté, et puis pour le Bali, il y a plein de sociétés pour Israël. Israël dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En d'autres termes, il n'a pas anticipé, il n'a pas cherché, il a essayé, ouais, s'il y a un bon Dieu visible, s'il y a un humain, s'il y a, faut qu'il le reflet de mon expérience, faut qu'il soit à l'intérieur de qui tu moi, faut que son bon Dieu que m'a manipulé, et conséquemment, dans le désert, il a révoqué cette jeunesse-là. Au commencement, Dieu créa, mais dans le désert, Israël dit, faisons Dieu à notre image. Est-ce que l'exemple suivant là? Et comment ça vous fait? Non, mais comment ça? Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous au lieu que vous fabriquez au monde, parce que vous ne pouvez pas fabriquer au monde. Vous fabriquez une bête en image. Non, mais l'église, attendez, dans le monde qui a coûté dans les cinq continents, attendez, frères et sœurs. Mais ça fait, bon Dieu est obligé de descendre. Parce que chaque fois nous tentons dans la culture, dans la philosophie, chaque fois nous tentons dans l'expérience humaine, nous représentons nos bon Dieu, nous faisons fausse route. Et conséquemment, bon Dieu, c'est seul dans le christianisme, nous rencontrons un bon Dieu qui descend. Ou pas besoin de mettre ça sous, ou pas besoin de faire pèlerinage, ou pas besoin de toucher un rien pour sentir bon Dieu. Parce que les vignes et les marchés dans le temps, nous sommes mouns, même là. Est-ce que vous comprenez ça? Et surtout, comment on fait ça? Tenez ça. Dans l'incarnation, il s'est rendu semblable à nous.
Li gen yon tèt, li gen dèt kèl, gen demèl, gen dèjèl kon tounè, li respire, li chita, li manje, li dormi, li fatigè. Et dare mon comprenne, le bon Dieu a délivré, nan incarnation, nan fè le moun nan. Le bon Dieu a pris ton côté pran, parce que Christ est fait le moun, l'oblige pran forme. Qu'il est guéri, tenez ça, le bon Dieu va retirer Daniel, la retirer les trois jeunes hébreux, nan mit en founè ça, li pran forme. Ou si vous avec moi là. Amen. Donc le bon Dieu a pas de chasson, c'est forme où il prend. Remarquez bien ma nature, il prend forme où il semble avec, il marche avec. Et mais ça fait que quand on est passé, yo croit c'est où, mais c'est pas où parce qu'elle prend forme. Souvent même qui ôte Jésus, Jésus ôte. Qui coule Jésus, Jésus coule. Qui grosse Jésus, Jésus grosse. Parce qu'elle prend. Donc, des côtés où quasiment passé pour inaperçu, c'est où il était piqué, mais il croit que c'était où, mais il prend forme. C'est où il était pour les kidnapper, mais il prend forme. C'est sous où il était pour l'expédition, mais il prend. Je dis, je ne dis pas d'accord avec Luc, je dis pour le café tout ça, pour le café forme, mon livre, l'aile, les gens voulaient, marcher côté, voulaient guérir, mon livre, lever, mon livre dans la mort. Ce n'est pas simplement un roi, ce n'est pas simplement un serviteur, ce n'est pas simplement un monde, mais ça c'est bon Dieu qui a marché dans le temps. Ah, frère, le bon Dieu a marché dans le temps. Ah, fait noir pas fort paix. Récession pas fort paix. Zam pas fort paix. Parce que nous chantons à la belle gloire, marcher à Jésus, l'hiver c'est sang. Tenez ça, bon, le couple qui me pire, il dit à la belle gloire, même le. Président, on se dit, t'as remis, ouais, blackout. N'a remis, ouais, blackout, là, l'aime qui me prêche. Même les fait noir pour me connaître les tout près. Mes messieurs, sous mon sécurité comme ma chaveur, l'enfer noir, la victime, la victime. Sous mon ami comme ma chaveur, l'enfer noir, la victime, la victime. Mais bon Dieu, pour aucun fait noir. Pour aucun fait noir, aucun danger, aucune menace. C'est seul monde qui a fait route, même l'enfer noir. À la belle gloire, même les fait noir. Pour me connaître. Alors, prier à confiance. Et pour rentrer dans le thème, l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, verset 37, qui dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, ça l'a vu une paix. Au texte, on l'a dit à la belle gloire, la caille. Oh, oh, gen koto pa ka entrer, gen kay, le pou entrer là, faut ta gen numéro, faut ta gen papier, faut ta gen nom, faut ta bien avec un sénateur, faut ta bien avec un premier ministre, faut ta bien avec un magistrat, pour ka entrer là. Mais bon côté Jésus vle fort, hein? À la belle gloire, aller la caille, bon Dieu, aklima va, pour toujours côté ma va, travaillons merveille, ma c'est bon Dieu même. Elle a nous traversé tout le Nouveau Testament. Pour nous arriver dans le canon livre qui ferme toute révélation biblique. Il y aurait l'Apocalypse. Moi, j'aime le thème latin hein, qui traduit plutôt par révélation. Dans une tradition grecque, lorsque il y a fait dédicace, il y a une statue. Ils ont couvert là avec une voile. Suis-moi là. Parce que c'est un bon Dieu. Ils ont couvert avec une voile. Jusqu'au moment où ils arrivaient pour la dédicace de
édifice ça que yo appel dédicacé avec nom Mounza qui porte nom et puis qui yo fait bus ça ou bien statue ça qui symbole. Parce qu'avant jour dédicace ça va arriver, yo pas qu'à lever voile là. Mathieu levez voile là anticras lui dit moi roi. Marc levez voile là anticras lui dit moi serviteur. Jean levez voile là anticras lui dit moi yon moun. Jean levez voile là dit moi bon Dieu. Les noms levez voile là dans Apocalypse. Il dit c'est révélation de Jésus-Christ. Oh. Et puis il dit c'est celui qui est l'éternelle présence. Qui était, c'est la préexistence. Et qui vient, c'est la présence. Je reprends ça. Il dit c'est celui qui est Dieu fils dans un éternel existence. C'est celui qui était, c'est la préexistence. Ça veut dire, c'est une existence avant l'incarnation, c'est une existence avant la royauté, c'est une existence avant le service, c'est une existence avant que les montagnes fussent. Et c'est une omniprésence. Celui qui vient. C'est ça, dans le livre qui précédait Apocalypse, là, c'est Jude. Il a conclu révélation que vient que transmettre nous dans un seul chapitre. Il dit Mounsa que vous parlez présenter nous dans Apocalypse, que vous parlez lever voile l'IA, et puis pour montrer nous toute la révélation de ce personnage. Il dit c'est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire dans la joie et dans la l'allégresse. C'est Jude, verset 24. Pas mandé nous qui chapitre. Et nous vivons dans Apocalypse, chapitre 1er. Il reprend pendant deux fois. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, verset 5, verset 8. Il dit, c'est celui qui est. C'est celui qui était. Et c'est celui qui vient. Frères et sœurs, qui est donc ce celui? Il présente cette écrit dans Apocalypse. Chapitre 1er, à partir du verset 8 et 9. Tenez ça, frères et sœurs. Il dit, c'est celui, épitose hébreu. Il dit, c'est celui qui tient dans sa main les sept étoiles et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Le chiffre 7, dans l'Apocalypse, dit plusieurs bagailles autres que la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. Donc, si vous parlez dans le sens géographique, ces sept églises ont existé en Asie, mais les sept églises peuvent être symbolisées, l'église de Christ à travers ces sept images. Donc, si vous t'avez demandé, présenter l'Apocalypse avec ces sept églises, ou t'as simplement dit, c'est l'église aux sept images. Est-ce que l'église est avec moi là? Il présente l'Église comme celui, tenez ça, qui tient les sept étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu des sept chandelier d'or. Au pasteur de la mission de tout homme, d'hier et d'aujourd'hui et de demain, si les sept étoiles sont les anges des sept églises, et si les sept chandeliers sont les sept églises, nous allons dire qu'il y a un homme qui a marché dans le temps de l'église. Que ce soit l'église en Haïti, que ce soit l'église en Europe, que ce soit l'église aux États-Unis, que ce soit l'église en Afrique, bon omniprésence, cap marché dans mitan l'église. Alors veillez, Jean a entré dans l'église là, parce que celui qui marche au milieu des chandeliers, il est omniprésent. Veillez autour combinaison ou à faire contre un pasteur de l'église locale. Parce que Jésus dit qu'il est celui qui tient dans sa main droite les sept chandeliers d'or. Veillez aucun monde qui n'a pas qu'à bailler Jésus, baka là, pour prendre en main Jésus. Or, les nègres à Kembe, dans mes droites, c'est la droite de la prééminence.
Est-ce que l'église est avec moi là, hein? C'est dans mes droites, lui, il dit le kembe 7 étoiles. Le kembe ou pour un pas prendre. Le kembe ou pour un pas pour toi aller. Le kembe ou pour culture temps pas pour toi aller. Le kembe ou pour influence moment pas pour toi aller. Le kembe ou pour bagaille hypocrisie pas pour toi aller. Le kembe ou pour les mon formal pour pas pour toi aller. Gemou nous t'a souhaité chuter, oui. Gemou nous t'a souhaité démissionner. Mais bon homme qui kembe dans mes droites. L'aile privée. Dans l'église Éphèse, mais celui à nous dans l'église Éphèse, il dit c'est celui qui était mort. Et la présenté est écrit dans l'église Éphèse, il dit c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Frères et sœurs, dans aucune histoire, aucune religion, ça ne peut qu'au jamais fait celle dans le christianisme nous rencontrer. Yon bon Dieu qui vini, qui descend dans mi temps nous, qui moun, qui servit, et puis qui mourit, et puis qui lève. Les, dans yon livre que écrit les livres perdus de la Bible, et auteur a fait remarquer que le Jésus fait sauter Lazare dans le tombeau, l'ange de la mort était tellement vexé et fâché. Le Jésus va arriver la croix et descendre dans le tombeau. L'ange de la mort voyait un message. L'ange qui a gardé ces jours des morts. Il dit, monsieur qui a habitude, fais-moi une sortie ici. Et qu'il y a un chien même qui a entré. Rassurez-nous qu'il y a un chien sous clé pour ne pas sortir. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas, retirer mon ici encore. Pour en sorte que jamais, je ne sais pas, faire radier ça encore. C'est monsieur qui a entré. Mais l'ange de mort, lui, il y a un bagage. L'oublier que l'idée doit faire Jésus cadeau, il y a un sépulcre. C'est ça que Jésus pas, dans tout le bagage, Jésus pas possédé. Il va posséder un caille. Il va posséder un sépulcre. Parce que la vie de l'homme réduit entre baissons dans petit bois. La vie l'homme limitée dans la boîte. Première boîte là, elle est le sein maternel. Deuxième boîte là, elle est le berceau. Troisième boîte là, elle est le caille. Quatrième boîte là, elle est l'école. Cinquième boîte là, elle est l'université. Sixième boîte là, elle est le cercueil. Septième boîte là, elle est le tombe. Et conséquemment, il n'y a pas besoin ni une ni l'autre. Parce que pour l'acheter peuple, il faut la prêter là-dedans. Comme c'est passé, la passé. Il dit prêtez-moi. Oh, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et parce qu'il retournait dans la vie, les Lazare sorti, il dit monsieur, son fréquence, c'était le fait. Qu'on allait là, puis là, entré. Non seulement il oublie de faire ce cadeau, il y a un tombeau, cadeau, il y a un secueil, il oublie tout et retirer le pouvoir à l'homme. Parce que là, l'entrée, il rentre à tout pouvoir. La Bible a dit là, il prêche dans le temps d'enfer. Et puis le dimanche matin, ils font pareil, ils disent l'aigle dans le mort. Tenez-nous, je viens de la matin parce que bon clé. Et parce que bon clé, j'ai besoin de faire un peu de monde ici. De façon, j'ai besoin de faire un sorti. Mais je clé, prêtez le clé, parce que des gens ne peuvent pas prêter ici, n'importe quel besoin de sortir. Pour y sortir, moi n'ai pas besoin de permission pour me sortir, mais il y a besoin de permission pas pour eux. Ça c'est la présentation qu'elle fait à l'église d'Éphèse. C'est celui qui était. L'arrivée dans le ciel là, Jésus-Christ va prêter au langage ça, j'étais mort. La deuxième présentation que le fait à l'église de Smyrne, il dit, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire, frères et sœurs. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le symbole de la parole et en même temps de la guerre. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen.
chaque fois que mon balle bataille sous l'île d'Ézéchiel, le Jésus-Christ, quand l'Éternel a parlé, il dit c'est la famine, la guerre va rentrer dans le pays, l'épée va tomber sur nous. Et nous comprenons ça, Mabdia, parce que notre transition politique que le pays ici fait, nous connaissons pile froid. De 1915, par exemple, il y a un gros événement qui passait, il y a quitté 150 000 morts dans le pays. Nous connaissons ça, ça veut dire, le pays en bas l'épée. Et ça va faire longtemps, de 1915, ça va faire longtemps que y a un moment, chaque pays étranger rentré dans le pays d'Haïti. Et puis, il a tremblé, etc. Et depuis lors, ce territoire n'est jamais le même. Vous comprenez le silence, non? Nous avons perdu dignité nationale, nous. Nous avons perdu l'intégrité de peuple, nous. N'ont pas dit de respect communauté indépendante nous. Et je dis à un dans pays à bien que nous portons soi-disant titre monde qui libre, mais nous n'aurons pas qu'être représentativité qui dit nous esclaves encore. Mathieu a même invité à une réflexion que monde qui présentait tête à l'église de ce moment non, lui présentait tête lui, c'est celui qui a l'épée aigu à deux tranchants. Les noms ça, levé et fait ça. Pas des présidents qui a campé. Pas des premiers ministres qui a campé. Pas des parlements qui a campé. Pas des aucun pouvoir qui a campé. Pas des sénateurs qui a campé. Pas des aucun chef, parce que quelqu'un grand, que soit un homme, qu'il soit prince, ou qu'il soit roi, de quelque nom, qu'on le nomme, Jésus est. Les lèvres l'épée, ça. Honorer puissance. Si tous les anges doivent faire sa tête, ma besoin pas l'eau pour dire haïtien avec nous. Il va simplement présenter comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie à l'église d'Éphèse. Il va simplement présenter comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants à l'église de Smyrne, suivant Apocalypse 2, versets 12 et 13, lui présentait comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est à l'église de Thyatire. Le celui que l'auteur de l'Épître aux Hébreux m'invite à contempler, frères et sœurs, m'a même invité, et puis, mon qui dit, quelqu'un jette un coup de flamme de feu, il dit, moi qu'on œuvre. Parce que cette flamme de feu, si l'épée symbolisait la guerre, le feu symbolise comme l'évain le jugement. C'est ça que fait un contrat bon Dieu signé avec Noé après le déluge. Il dit Noé, bon, fort contrat ça, si un pas sa verre, ma loi, je me disparaître, là, t'es pas de l'eau encore, ma disparaître par du feu. Suive-moi là. De Dieu. Non, mais ça, jeudi soir, bon Dieu, créé trois grandes institutions qu'elle met sous la terre. La première institution, c'est la famille. La deuxième institution, c'est le gouvernement civil. La troisième institution, c'est l'Église. Et l'Église est devenue la gardienne des deux précédents. Amen. Suis-moi là. C'est ça fait, les représentants d'Église doivent veiller pour garder leur poste en tant qu'appelés de Jésus-Christ, parce qu'ils sont la gardienne. L'État fait ça, pas ça. La famille a effondré, c'est l'Église qui vous campait pour m'en restaurer. Il présentait à l'Église de semaine comme celui qui a des yeux comme des flammes. Dans me dit au bon Dieu, ouais. Celui ça qui doit venir, non? Lui, ouais. Ou qu'a bon menti. Ou kablo femzoul. Ou kabaye président en mission en menti. Ou kabaye surintendant en menti. Ou kabaye madame en menti. Ou kabaye marou en menti. Ou kabaye zami en menti. Ou kabaye institution en menti. Et si un pays qui vive avec corruption, avec tout plus élevé, un pays qui a corruption plus élevée, c'est pays ici. Ou pas qu'à croire un grand mot, un haïtien dit. Une disparité de communauté, longtemps leur tête baillon, on compte comment ils s'étaient contre un contrat, c'était avec un poignet de main.
nous perdons la dignité, nous perdons l'intégrité, nous perdons le respect de personne. Nous. On n'est pas fait pour rien. Je suis arrivé dans l'aéroport Toussaint-Louverture, ça fait quelques années que je voyage. Et quelquefois, dans le champ missionnaire, un monsieur qui vient qui dit, en première année, il dit, papa le mourir, en deuxième année, il dit, maman le mourir. En troisième année, il me tourne, il oublie le visage, il dit, maman le mourir encore. Mais quand l'autre fête est là, il est venu, il dit, maman mourir. Il dit, papa, au cas de plusieurs, mais maman, son seul, ou t'es dit, nous le mourir déjà. C'est celui qui a les cieux comme des flammes de feu. Alors, il dit, frères et sœurs, pasteur d'église, bon Dieu, ouais, diacre, bon Dieu, ouais, président, premier ministre, sénateur du pays, député, bon Dieu, ouais. Directeur institution évangélique, philanthropique, dans tout niveau, car les bon Dieu qu'on chère, car cadeau avec flamme du feu. À l'église de Pergame, c'est comme ça le présentait lui comme un qui vient, je qui vient flamme du feu. Il présentait d'une autre façon à l'église de ça. Il dit, c'est le monde qui vient sept l'esprit bon Dieu sous lui. Et nous dit, le chiffre 7 là, c'est le chiffre perfection, hein? C'est le chiffre compression, hein? C'est le chiffre total là, c'est le chiffre qui symbolise globalité à l'ange bon Dieu. Non, mais lis texte 7 esprit à vous. Tournez avec moi dans Esaïe chapitre 11. Pour pas dire que parce qu'il a interprété verset A, parce qu'il a juste dit non cet esprit A, mais pas même nous côté cet esprit A. Tout avec moi, dans Esaïe chapitre 11, c'est la seule référence que m'a bien entendu pour matin. Dans Esaïe chapitre 11, il a parlé de temps messianique qui vient pour arriver. Dans Révélation, personne ne se lit. Attendez ça, mais ça nous lit dans Esaïe chapitre 11, verset 1er. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Mais premier esprit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui. Deuxième esprit, c'est esprit de qui bagaille. Troisième esprit, c'est esprit d'intelligence. Quatrième esprit, c'est esprit de. Cinquième esprit, c'est esprit de force. Sixième esprit, c'est esprit de connaissance. Et septième esprit, c'est esprit de crainte de qui bagaille. Donc le bon Dieu, ça, attendez ça. Bon Dieu qui a sept esprits à souligner, l'a ramassé sous la terre, lui communiquer un esprit qui est l'esprit bon Dieu. Lui communiquer un esprit qui est esprit de sagesse, il y a une décision à prendre, il y a un bagage où il faut être pour la donne. Mais pour bon Dieu, pas quitter. Oh. Quelquefois, on a mis tant de difficultés, les gens viennent côté, et puis après, on demande au conseil, ou par où est devant, ou par où est derrière, quelqu'un qui a une explication. C'est pour le côté qui vient sept esprits. Pour le bas où l'esprit de conseil, pour le bas où l'esprit d'intelligence. Et lorsque la vie a bousculé, ou pas à camper, lorsque le stress sorti pour poteau aller, lorsque le maras économique sorti pour fort. Un homme qui a un esprit de force. Et finalement, pour ne pas tomber dans le sac, pas ça. Pour ne pas coucher madame Moon. Pour ne pas voler l'argent de papa. Pour ne pas mentir sous plusieurs faux noms. Pour ne pas signer faux papiers. Faut gagner. Esprit de crainte de l'éternel. C'est ça peut y amender, mais ce n'est pas ça l'éternel demandé. On va dire amen, là, même pas me dire ça amen. Et à l'église de Philadelphie, il présentait comme celui qui a la clé de David. C'est la royauté. C'est le pouvoir. C'est l'autorité. Dans le dire aussi, il y a un gouvernement pour servir. C'est un homme qui a autorité tout le monde. Parce qu'il dit,
et la chose, il ordonne, et mais dernier, celui-là. L'arrivée dans l'église de la Odyssée, qui traduit roi de paix, Laos et Diké, le grec. Il dit le peuple a demandé au droit. Les peuples sont pour fourrer ou dans bagaille qui va ça. Les peuples demandent pour vivre sous bluff avec elle. Ils se présentent à l'église de Laos Diké comme l'amen. Un homme, en premier temps, amen. Ou bien oui, intégrité, dignité, personnalité. En tant que 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a qu'à tester parole. Parce que nous nous attendons. Celui qui doit venir, c'est l'amen. Qui monde? Celui-là a pu nous chercher. Après, pour vous, c'est celui à celui qui sera vainqueur. Et qui me glorifie. C'est celui-là, il dit. Avec Christ, celui, il va pas marcher avec votre monde, il va plus chercher votre monde, il va pas nous compagner votre monde. Avec Christ, celui qui vaincra. Il y a des fauteuils où vous n'avez pas de chita. Il y a des chaises où vous n'avez pas de chita. Mais avec Christ, celui qui vaincra, dire ça pour moi, ça c'est là qui va. Ça c'est là qui va. Et deuxième, l'immortel, qui laisse sa paix, qui j'en sa paix, comment sa paix, encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir.